Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau match. Ce jour de match aujourd'hui contre le National 3 Vire club qui reprend le championnat la semaine prochaine de N3. Nous en R1, on reprend pas tout de suite. Il y a d'abord la Coupe de France, voilà, il y a pas mal de matchs amicaux et ensuite la Coupe de France. Donc nous on reprend dans un mois et demi à peu près le championnat, eux la semaine prochaine. Donc ils effectuent leur septième match de préparation, nous notre troisième. Donc voilà, il y aura une différence de niveau forcément. Eux, ils sont prêts, ils reprennent le championnat la semaine prochaine. Nous, non. Donc voilà, ils ont déjà affronté des National 2, National 3. Nous, c'est la première fois qu'on joue une N3 cette saison. Enfin, c'est le troisième match de prépa. On a joué une R1, une R2 et là, une N3. Donc, trois divisions différentes. La N3, forcément, ça va être le match le plus compliqué. Mais voilà, on va essayer de prendre du plaisir, s'amuser et je pense que ça va être un bon test. Donc là, je vous emmène au foot, je prépare mon sac de foot et ensuite, voilà, direction le stade. Là, je suis en train de préparer mon sac de foot et je vous avais pas montré mon maillot noir parce que je l'avais pas reçu quand j'avais fait la vidéo FAQ, je crois. Je vous ai montré que le blanc. Donc le noir, voilà, c'est exactement le même avec les initiales devant, très simple derrière. Donc pour les matchs de prépa, on joue avec les maillots d'entraînement. Parce qu'on est plus de. On doit être 18, 18, 20. Donc voilà, on va pas jouer avec les maillots de match parce qu'il n'y en a pas assez. Donc on joue tous avec nos maillots d'entraînement. Parce que j'ai reçu des messages sur Instagram en me demandant si j'avais changé de club, etc. Parce que j'avais pas les mêmes maillots que l'année dernière lors des matchs. Non, c'est je ne change pas de club du tout, je reste bien à Tournaville. C'est juste qu'on joue avec ces maillots-là pour les matchs de prépa. Du coup, qu'est-ce que je mets dans mon sac de foot? Tout simplement mes crampons que je vais ranger dans le sac. Short, maillot, chaussettes, protège, tip top, mon lycra au cas où, parce que là il pleut, mais je sais pas quel temps il va faire à Vire. Et puis mes affaires de douche, tout simple. Donc voilà. Mon sac est bien prêt. Je vais manger, ensuite direction le stade, et puis on se retrouve pour le résumé du match. Thank you.
Oh,